Si j'ai besoin de mes notes. Bah, comme la NEF, on avait un partenariat aussi, c'était Novartis. Nous, c'était Sanofi, un partenariat national auquel on est interne il y a 5 ans. On essaye de tendre vers l'indépendance financière, mais ça coûte cher. Mais c'est vrai, mais c'est une réalité. On a développé là, des partenariats avec des régions qui, comme vous savez, sont en manque d'attrait pour les internes, de médecins généraux, entre autres. Donc ça, c'est en train de se développer. Moi, oui, je suis là, en fait, je ne vous ai pas dit, je suis chargé de mission publication à l'ISNAR. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un trimestriel, un petit journal, sans publicité, bien sûr, qu'on publie tous les 3 mois. Et tout à l'heure, j'ai entendu des gens qui venaient à l'Italie. Ça m'intéresserait d'avoir des témoignages de ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. Et puis dans le document de l'APSA qu'on a reçu, là, il y a un tableau avec pas mal de sujets qui pourraient faire des articles multidoc, donc ça m'intéresse beaucoup. Merci. Elle est diffusée à combien, cette Bah aussi, comment on fonctionne? On se réunit 4 fois par an. On a donc une 20aine de villes qui viennent, 1, 2, 3 personnes à chaque fois. On se réunit 4 fois par an, on discute, et puis dans les derniers débats, là, ça fait l'unanimité. On veut de plus en plus avoir une indépendance vis-à-vis de notre formation, vis-à-vis des firmes pharmaceutiques. Ça a été voté très rapidement à l'unanimité. Et puis. Comment ça a été voté? L'interview exact que je n'ai plus en tête, c'était au sujet de la formation continue. C'est en avril, début avril. J'ai plus l'intitulé exact. Au sujet de la formation continue. Et on fait un tour des villages chaque fois pour dire un peu ce qui se passe dans nos structures locales. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Entre autres, il y avait à Nantes, tous les nouveaux internes ont reçu dans leur welcome pack, donc sans cadeau de la boue, bien entendu, ils ont reçu le petit livret de la troupe du rire, qui avait été imprimé. Donc tous les nouveaux internes avaient reçu, est-ce qu'ils l'ont, je ne sais pas, mais en tout cas, ils l'ont tous reçu. Il y avait ça, il y a pas mal de partenariats, on voit qu'il y a. Ça nous fit avant, donc on avait un partenariat national. Et puis on voit que ça s'effiloche au fil du temps. Il y en a de moins en moins local. Et il y a des partenariats qui se forment en local. Je crois qu'il y a quelques villes quand même. J'ai plus les noms en tête, mais ça se fait en fait. Nancy, oui, c'est là. Bonjour. La dernière page. Ah oui, il y avait une phrase intéressante dans le document de l'AMSA. Je l'ai lu hier soir. Dans le train, je l'ai relu, c'est vraiment bien. La stratégie de loi la plus bénéfique est l'exemple. Si on prend cette phrase-là, pour nous, l'exemple le plus probant, ce qu'on a, c'est nos maîtres de stage en ambulatoire. Quand on discute avec les internes, on a différents maîtres de stage. On a qui sont pro-labo et anti-labo, si on peut catégoriser comme ça. On sait qu'il y en a qui sont format DEP, il y en a qui font des choses très indépendantes. Donc c'est un peu la vision de notre futur métier. On a souvent nos idées qui sont bousculées quand on arrive en stage. On découvre, pour la plupart, prescrire. On découvre une autre façon de penser. Et on a besoin d'autres maîtres de stage. C'est-à-dire, on a besoin d'autres gens pour nous former en ambulatoire. Donc, si vous avez des amis qui sont médecins généralistes, qui n'ont pas encore d'interne, qui pourraient former de bons internes, nous sommes tout à fait preneurs pour cela. Et ça, c'est compliqué. On essaie d'avoir de plus en plus de stages en ambulatoire. On a pour l'instant que 6 mois sur le cursus d'internat de 3 ans. On espère passer à 1 an, voire 1 an et demi. Plus on aura de stage, plus ça sera facile, plus on va.